parti, on va faire ça. Et salut à vous et bienvenue pour ce cinquième épisode de contrôle. Donc on passe en off pour ce contrôle et c'est déjà la guerre. On doit se rendre au traitement de la pierre noire. C'est parti. Oh putain. Moi ça rigole pas, je sors le gun. Donc on va essayer de finir ce jeu en off, parce que je vais en profiter d'y jouer en dehors des heures de live. Parce que comme on n'a pas en même temps... Oh putain, la boule noire. Priorité à la boule noire, bien sûr. Elle est passée où, la boule noire? Momomotus, saloperie. Parfait. Maintenant, ils sont où les mobs? Les mobs sont où? On va pouvoir les défoncer. Pas de problème. Parfait. 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 Il est où le dernier? Je le vois pas. Ça tire d'où? Ça tire d'ici? Pourquoi je peux pas passer? Je peux passer maintenant? Je peux pas passer. On va se recharger. On va recharger ça tranquille. Parfait. Ah, pourquoi je peux pas passer là? Je peux passer? Ça y est, je peux passer. Ok. Donc... D'accord, ça mène exactement au même point. Parfait. Alors, ici c'est quoi? Turbine Room, niveau 4. Je l'ai le niveau 4, très bien. Par contre, moi ce que je veux c'est aller à la salle de traitement de la pierre noire. Black Processing, c'est ici. Parfait, ça s'ouvre. Eh ben dis donc. C'est un endroit assez spécial. Hein. Alors. Alors je vais devoir faire certainement un double saut là, non? Ça passe ou pas? Pourquoi ça ne passe pas? Ou alors faut vraiment que je saute ici? Non. Ça ne passe pas. Me dites pas que je recommence tout du début. Ah oui, d'accord. On va revenir au dernier point de contrôle. Carrément. Oh putain. Sans déconner. Je me retape tous les mobs là. Je vais me retaper tous les mobs. Et par où je vais passer du coup? Il est assez punitif hein, sur les morts quand même. Hein. La santé ne remonte pas. Et là, du coup, je reviens dans la salle centrale et on va se retaper tout le chemin. C'est ça. Oh putain de merde, de merde, de merde. Je vais me retaper le combat. Putain, mes couilles. Bon, ben pas le choix. Et depuis quand il n'y avait pas de mob tout à l'heure ici? La maintenant, salle d'Atlas. Par contre, ils remettent les mobs, mais il n'y a plus la boule. Il n'y a plus la boule qui rechargeait la santé. Parfait. Comme quoi, il y a quand même une mini sauvegarde dans la sauvegarde. Allez. Bon, ça va. C'est punitif, mais pas trop. Qu'est-ce que je dois faire, là? Oui, ça fait des sauvegardes à chaque fois. Bon, je veux bien, mais qu'est-ce que je dois faire, là?
Ok, carrément. D'accord. Il y a des mobs qui apparaissent ici. Oui, je veux bien, mais... On va essayer de trouver un autre chemin, du coup. Hein. Parce que là-bas, c'est super loin, le truc. Bon. Voyons voir. On va essayer de trouver un autre chemin, là. Atlas Chamber, c'est là. Putain, mais même là... Mais putain, mais franchement... Il y a un truc à faire, c'est pas possible. Efficacité d'esquive. Alors, Turbine Room. Est-ce qu'on peut passer par là? Si je le mets là-bas. Ok. On va essayer de contourner le chemin. Si c'est possible. Mais est-ce que c'est possible? Alors, je vais récupérer ça. Je vais le mettre là-bas. Il y en a un deuxième à récupérer. Oh putain, j'ai failli tomber. Le deuxième, il est où pour ouvrir la porte? Il est où le deuxième? Il y a un deuxième pour ouvrir la porte. Il y a un deuxième cube. Est-ce qu'il est dessous? Il est dessous. Je vais le récupérer. Et je vais le mettre... Ici. Il y a pas mal d'énigmes. Ça, c'est plutôt pas mal. Parfait. Alors, j'arrive où exactement? Ah oui, c'est bon. J'arrive ici. J'ai bien contourné. Notice. Il y a écrit quoi? Ocean View Motel. D'accord, je reviens dans l'Ocean View Motel. Hop, attention, on y va. C'est parti. Déjà, j'entends du monde. Ouais, vous êtes où? Bon, je vous ouvre. Hein. Il y a personne dans ce motel, bordel. Est-ce que je peux reprendre la pièce avec la pierre? Non, je peux pas réouvrir. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une salle d'ouverte là? Non, que dalle. Ici. Là, je peux faire quelque chose. J'ai rangé la chaise. Je remets le tableau en place. Je remets... D'accord, à quoi ça sert? De remettre la chaise, de bouger les... Et de changer la radio. Traverser l'Ocean View. Je veux bien, mais ça a changé quoi? D'accord. J'ai trouvé aucun indice, là. Toujours pas ouvrir cette porte. Je peux toujours pas ouvrir aux personnes qui attendaient dehors. Oui, et après. Là, je peux plus rien faire. Il n'y a pas une autre pièce qui est ouverte? Non. T'es vraiment pas pris par la main, hein. Clairement. On te laisse réfléchir sur ce que tu dois faire. Personne ne répond.
Le concierge. Moi, je pense que tout vient du concierge. Ça fait quoi si j'allume une fois? Personne. Je pense que ça n'a pas marché ce que j'ai fait. Ça n'a servi à rien. Donc on va y retourner. Traverser l'Ocean View. La porte est fermée maintenant. D'accord, la porte est fermée. Est-ce qu'il faut que j'appuie encore une fois? Est-ce que c'est... Oui, c'est ça qui ouvre la porte. Très bien. Donc qu'est-ce que je dois faire exactement? La chambre est rangée maintenant. Elle est exactement comme j'ai laissé tout à l'heure. Je vais bouger chaque élément et je vais voir si ça agit sur... C'est assez space quand même, hein, cette histoire-là. Il n'y a aucun indice qui me dit ce qu'il faut faire. Je peux pas sortir, putain, non, mais sans déconner. Ça fait quoi si j'appuie? C'est quoi, ça remet à zéro en fait? Ah, il y a une autre pièce qui s'est ouverte. Mais c'est pas la même. C'est pas la même. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Alors, chaise. C'est bon, j'ai compris. En fait, je dois reproduire à l'identique cette... Alors, le tableau est droit. La plante est à gauche. Le tableau est droit. La plante est à gauche. La radio à droite. Donc gauche. On va commencer de la plante. Gauche. Droit. Droite. Dehors. Gauche. Droit. Droite. Dehors. On va voir si ça marche. Gauche. Gauche. Droit. Droite. Dehors. Ok. Gauche. Droit. Droite dehors. Il me semble que c'est pour faire le reset. Parfait. Alors, gauche, droit, droite. Et là, c'est bon, non? Ça fait un reset ou pas? Là, les deux sont ouvertes. Ah, attendez, maintenant c'est la première porte. Ah, il y a une salle ouverte maintenant. Je compte gauche, droit, droite, dehors. Très bien. Il y a la clé, ça y est. On a récupéré quoi? Une clé. Alors, on a récupéré une clé apparemment. Est-ce que c'est la clé? Voilà, c'est ça. C'est la clé de la pyramide à l'envers. Parfait. C'est quoi ce tableau? Donc je me vois clairement à l'endroit où je suis. C'est ça. Je me vois clair. Et ça va certainement débloquer la situation. Putain, c'est psychédélique. Et le pont est apparu. C'est ça. Oh putain, psychédélique quand même. Est-ce que je peux passer par là? Peut-être. Oui, ça me fait tomber directement. Ça me fait tomber directement ici.
Ben nickel. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans cette salle de traitement de la pierre noire. Eh, pas facile, hein. Il a fallu vraiment que je me casse les méninges. Alors, la chambre d'Atlas. On doit trouver le chemin vers le traitement des pierres noires. Marshall a dit que c'est là-bas qu'on trouvera un prisme. Donc Marshall nous a dit qu'on trouverait quelque chose là-bas, c'est ça? Est-ce qu'il n'y a pas un petit coffre ou quelque chose? Non, ici je peux pas ouvrir. Quoique je dis que je peux pas ouvrir, mais j'ai pas essayé. Non, j'ai pas le niveau 5. Ici c'est quoi? C'est les toilettes? Dans les toilettes, il n'y a rien, il n'y a pas des trucs de santé. Si, il y a des trucs de santé, mais je peux pas les prendre. Est-ce que je peux l'arracher au moins? Si, je peux l'arracher, mais ça aurait pu donner de la santé quand même. Hein. C'est bien fait, hein. Voilà, tu casses tout en fait. Hein. C'est bien fait, la physique est bien faite. Très bien, bon. Alors, ici, la chambre d'Atlas tout droit. Qu'est-ce qu'il y a à l'étage? Il n'y a rien. Il faut toujours contourner en fait. Est-ce que je peux ouvrir? Je peux pas ouvrir, d'accord. Donc il faut bien que je rejoigne là. C'est pas la première fois qu'on fait ça, donc c'est de d'arriver à notre objectif en contournant. Ok, j'entends du monde. J'entends du monde. Alors, centrale de maintenance. Je peux ouvrir. Par contre, je dois aller où? Atlas Chamber, ça tire, on y va. Je viens vous aider, les mecs! Tir de suppression, ne t'inquiète pas, je suis là. Hop là, chocolat. Parfait. On le finit, parfait. Olé, encore un gros. Attention, oui j'ai réussi à l'avoir j'ai l'impression. Parfait. Et le... Allez viens là, montre-toi un petit peu. Ça n'a pas marché. Oh putain. Il est là. Il est mort ou pas? Oh putain, oui ça y est, il est mort. Alors c'est peut-être des membres. Le IS, il prend le contrôle de... Peut-être c'était des c'est des employés. Hein. Et c'est ceux qui ont justement cette harnais qui ont survécu. Bon allez, on va libérer la pièce. C'est possible? Non, c'est pas possible. Faut terminer les mobs avant, j'ai l'impression. C'est bon? J'ai l'impression que c'est bon. Non. J'entends encore du bruit. Il doit être caché à l'étage. On va monter. Eh oui. Foiros. Et il y en a encore. Parfait. Bon, c'est pas des gros déjà. Ça, c'est pas mal. Un petit coffre. C'est bon, je pense que je peux y aller maintenant. C'est bon, on peut y aller. Pour purifier le terrain. Hey, Payden, ici, en haut!
Où ça, ici en haut? Montre à tonton Wam où c'est. Ici en haut, il me dit. Vous êtes où? Irish. Où t'es Irish? Ici en haut, il me dit ce con. J'ai pas de boussole, moi, dans ce jeu. Comment je fais? Sans boussole. Alors, on va remonter à l'endroit où on était tout à l'heure. Il me dit ici en haut, ce con. Ils me prennent pour des cons, quoi. Ici en haut, ici peut-être. Je suis content de voir que c'est toujours vous. Ouais, c'est ici. Parfait. Alors, Arish, qu'est-ce que t'as à me dire? Merci de vous être occupé de ça. Peu importe ce que c'était. On a du mal à tenir le coup ici, chef. Comment ça se passe hors de la maintenance? Qu'est-ce que je lui dis? La vérité est cruelle, mais ils ont dû souvent côtoyer la mort. Le hiss est partout. La majorité du bureau est perdue. Il nous faut des prismes de pierre noire afin de créer des ARP pour les survivants dans les abris. Je me rends au labo de pierre noire de Darling. En résumé, mort, désastre et imminente destruction. Un jour comme un autre au BFC. Le labo de Darling est juste après la salle de traitement de pierre noire, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est que c'est juste après le hall. La mauvaise, c'est qu'un monstre du hiss a décidé de s'y installer, donc ben, bonne chance, hein? Un monstre du hiss s'est installé. Enfin, ceux qui ont survécu, en tout cas, hein. On a du mal à tenir ici, et le hiss ne faiblit pas. Salvador saurait quoi faire, mais apparemment, il a emmené une équipe de sécurité dans le secteur de confinement juste avant le verrouillage, et ben, personne ne l'a vu depuis. Mais bon, au moins on vous a, vous, notre courageux chef, hein. Ils devraient pas compter sur moi. Ils me connaissent pas. Ils savent pas que je suis pas très fiable. Vous avez fait du bon boulot ici, Arish. Mais vous devriez emmener votre équipe vers la base, en exécutif. Vous vous regrouperez là-bas. Je vais aller m'occuper de ce monstre. Je commence à m'habituer à eux. À vos ordres, Faden. Et n'oubliez pas de lui mettre une balle ou deux de ma part, hein. Un monstre, très bien. Il n'y a pas de problème, moi les monstres, je m'en occupe. Trouvez un prisme noir. Alors. Trouver un prisme noir dans le traitement de la pierre noire, mais c'est où? Oh putain, mais c'est dur à trouver à chaque fois. Ils ont mis des panneaux hein, à chaque fois, mais il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment être attentif à ton environnement, regarder toutes les pancartes. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Une pulsion rituelle. Très bien. Alors voyons voir. Traitement de la pierre noire. Donc faut continuer à aller dans le processing du black porridge pas quoi là. Alors, on va descendre par ici. Qu'est-ce que je peux faire en capacité? On a le temps de le faire là du coup. Ça coûte combien? Point de capacité 3. Je peux faire ça. Le lancer, dégâts de lancer. Très bien. On va faire un petit peu de dégâts de lancer. Voilà. Très bien. Emplacement supplémentaire pour les modes. Construction astrale. Est-ce que c'est ça là? Alors, construire un perforateur. Je peux. On va le construire. Parfait. Alors, j'ai trois flingues maintenant du coup. Donc les modes. Il me manque une mémoire de la maison. Très bien. Alors, comment je fais? Je crois que c'était comme ça. Voilà. Le brisure. Alors, c'est quoi ce mode? Récupération de santé. Récupération de santé pour chaque élément ramassé. 23%. Ok, et ici. Amélioration de santé. C'est pas mal, hein, tous ces modes. Amélioration de santé. Efficacité de lancer. Attendez, hein, je suis bien sur le deuxième là. Ok.
Récupération d'endurance. On va mettre l'amélioration d'endurance en deuxième. Et ici, le flingue, j'ai toujours qu'un. Ah, j'ai un nouveau flingue donc. Le perforateur. La perforation est précise. C'est un tir chargé qui pénètre l'armure et les ennemis. Alors, qu'est-ce que je lui rajoute? Je peux lui rajouter des dégâts ou pas? Alors, là, c'est quoi? Énergie acquise lors d'un tir à la tête. Et là, c'est quoi? Énergie acquise, 15%. Et là, c'est 16%. Qu'on va équiper celui-là. Très bien. Parfait. On est équipé. Alors, faut que je retourne. Nouvelle alerte du bureau, recherche nœud du IS. Centrale maintenance. Alors, est-ce que c'est par ici d'abord? On va regarder sur la map. Donc, je dois me rendre en bas. Il y a un chemin là. Clairement, il y a un chemin en bas. Est-ce que je pouvais continuer? En bas à gauche, il devrait avoir une porte normalement. Qu'il n'y a pas de porte, ou alors c'est au niveau du bureau. C'est au niveau du bureau alors, du coup. Je me sens pas très bien. Il n'y a pas de Ça va aller, porte. on se battra jusqu'au bout. C'est le IS qui est en train de nous battre, docteur. Ok, ah voilà. C'est ici. C'est ici que ça se passe. Très bien, parfait. Un monstre, apparemment. Je vais sauvegarder. Est-ce que j'ai sauvegardé? Parce que je préfère. C'est quoi la mission, secondaire? Ils ont pris quelques mauvais coups. On doit les amener à une station chirurgicale au plus vite, mais je pense pas que ce soit stable pour être évacué. Ah ouais? On va voir. Voilà, ça me met la santé à fond. Parfait. Il y a un petit peu de Dark Souls là aussi avec ce truc, hein. Ça ressemble un petit peu au feu de camp, j'ai l'impression. Alors, apparemment, on a un boss qui nous attend. Voyons voir. Bon bah oui, Ok. je ne plaisantais pas à propos de ce monstre. Ah ouais, effectivement, il a fait des dégâts. Carte de niveau 5, à mon avis, c'est mort. Vous m'avez montré les ARP quand je suis arrivée, et la machine qui les produit. Vous pouvez m'aider à trouver un prisme? Ici. C'est parti! Le monstre est là. Il se cache apparemment. Il sort d'où? Ah, effectivement. Il joue à cache-cache. Il joue à cache-cache. Je vais tester le gun. Il me one shot? Mais c'est sérieux ça? Il me one shot? Le bordel, il me one shot? Il me one shot le bordel, très bien, je prends note. Je prends note, bordel de merde. Il me one shot. Ça me remet où ici? Ça me remet là à chaque fois. Très bien. C'est parti. Alors. Bon, je sais à quoi m'attendre maintenant. Il n'a pas beaucoup de vie, mais franchement, il m'a défoncé. Il m'a défoncé en 2 secondes. En 2 secondes, il m'a défoncé. Il n'y a pas un petit coffre ici par hasard? Non. M'a défoncé en 2-2 ce chacal, oui, je sans ne plaisantais déconner. pas à propos de ce monstre. Vous m'avez montré les ARP quand je suis arrivée. Et la machine qui les produit. Vous pouvez m'aider à trouver un prisme? Parfait. Qu'est-ce que...
Il est où? On devrait le voir un petit peu. Putain, non mais il fait des dégâts, laisse tomber. Mais j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Il faut que je me mette à couvert alors. Oh, c'est quoi ce boss là? Il te one shot. En plus, il y a un temps de trajet. Ils auraient pu me mettre une sauvegarde juste devant, quoi. Bordel de merde. Ah putain. Hey, n'oubliez pas notre marché, hein. Pour chaque ennemi tué, je vous paie un shot. Alors, est-ce qu'il y a une technique spéciale pour ce boss là? Parce que faut être bien caché, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Bon bah, Harry, je ne plaisantais pas à propos de ce monstre. J'ai rien à dire. Vous m'avez montré les ARP quand je suis arrivé. Il va falloir que je trouve un moyen. J'ai l'impression qu'on voit son spectre quand il est caché. C'est pas possible. Oui, on le voit se déplacer. Hein. Quand t'es attentif. On l'a eu. Dépêchons-nous de trouver le labo de Darwin. Et franchement, il est chaud celui-là. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est chaud. Il m'a défoncé ma santé. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à fouiller avant? Il m'a défoncé ma vie. Non, il n'y a rien de spécial, j'ai l'impression. Rien de spécial. Allez, le labo de Darling. Est-ce qu'on y est? Donc ça vient d'une lisière, très bien. Elle devrait nous permettre d'entrer dans la carrière. Je peux rentrer maintenant les niveaux 5. Alors, au deuxième étage. Il faut que j'aille dans la carrière, donc c'est à l'étage. Est-ce qu'on monte? Oui, on monte. Parfait. Et je ne veux pas le quitter. Même au milieu de l'horreur, je suis contente. Même si tout est très étrange. Ok, je suis bien dans le bon sens. Parfait. Parfait, j'avais plus de munitions, je m'en sors bien. Alors, c'est bien par là. Il y a pas de pancarte. Il y a pas de pancarte. On va monter.
Ok, je suis au troisième étage. Est-ce que c'est ici? Ah, une sauvegarde. Très bien. Ben voilà, on va se laisser ici pour cet épisode. On se re... Dans le prochain épisode, on attaquera certainement la carrière de la pierre noire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine. A plus dans le bus et à bientôt.